tease dans certaines de ses, dans certains des matchs. Donc ah bon. Qui le sort frame qui le sort frame 1 parce que en général il sort Wolf premier match, quel que soit le match-up. De toute façon Wolf c'est pas un personnage qui a vraiment de match-up négatif. C'est pas faux, oui. C'est un petit peu un top tier du jeu quoi, hein, un bon petit top tier. Bon, il en a quand même quelques-uns, hein, il aime pas trop certains persos très spécifiques. Sinon ouais il le sort souvent au match 1 et puis si ça va pas il sort son Falcon. D'accord. Donc ouais c'est le pic du cœur et après il passe sur Falcon pour gagner s'il y a besoin quoi. Voilà exactement. Un peu comme Jedha avec son Joker. En tout cas, on est parti dans ce premier match chez OG qui prend directement l'ascendant avec 48%, même pas le temps d'installer un quelconque neutral. On a directement une phase monstrueuse qui est placée. On anticipe le saut avec ce Bakar. Est-ce qu'on va aller SK, on va mettre un down smash mais ça ne touchera pas. Il a tenté. Il a pas le temps OG, ça y est c'est parti. Bientôt 90% d'avance. Et la première stock est prise 0 to dead. Incroyable! Ah non, mais ouais, c'est. Ouais, non, il avait pas le temps. Il est où ton poulain là? Non, je... Ah bah, le voilà, il arrive, regarde-le. Il fait des dash attacks, c'est un vrai Amphinobi. Amphinobi, on rappelle hein, qu'il n'a pas d'out of shield, hein, donc du coup, c'est un perso assez compliqué à jouer. Surtout contre Wolf, finalement. Voilà. Surtout contre Wolf qui est très très fort là-dedans. Agressif, il va être tout le temps sur ton shield, donc ouais, ça risque d'être compliqué finalement. Mais j'ai confiance. Tu as confiance très bien. Pour le moment, il est en train de bien remonter. 71%. On arrive un petit peu à se sauver dans le neutral. Mais il suffit que je dise ça pour que OG récupère l'ascendant là-dessus. Petite tentative de blaster avec un air qui touchera. Mais le shield qui est bien répondu. Pour l'instant, les deux joueurs qui campent le milieu du stage sans qu'il y en ait vraiment un qui arrive à trouver un avantage. Mais la stock est prise et deux stocks d'avance. Oh là là. Deux smash qui tue si tôt. C'est incroyable. Donc, ouais. Lumière qui part, le fer, qu'il confirme ? Non, ça ne tuera pas. Ah dommage, le hubby qui aurait pu être trouvé, très bon move de la part des Amphinobi, mais bon, c'est un peu compliqué. Le fer qui est trouvé, on va peut-être aller à l'Edgeguard avec un backer qui back-air touchera. Ça n'a pas été tech, mais il y a encore un saut avec le upper et ça reviendra. Avec un UB, ouais. UB, pas upper. Si un upper ne reviendrait pas, mais ça revient. Oh. Tenté. Le nerf qui va pas tuer à 160, presque 170%. Ah bah les DI sont présentes. Bah ça connaît le jeu, apparemment. Ça va pas DI up Lucario. Hein. Allez, encore un backer, voilà. Bah oui, c'est obligatoire. La stock est prise. Bon edgeguard, on a mis double backer, middle jump, c'était parfaitement bien vu. Mais bon, derrière, on a encore une stock de retard. On est déjà en position d'edgeguard pour notre cher OG. À nouveau en faire. Et le backer instantanément, et ça viendra tuer. Oh là là, OG en avantage, c'est monstrueux. OG, ça suffit. Ah, c'est impressionnant cette maîtrise. Un peu quand même. Relou limite là. Ouais, OG qui est impérial. Hein. Il est en avantage une fois, ça y est, la stock est prise. C'est n'importe quoi. Je m'attendais pas, je connais très peu Wolf et c'est vrai que ça fait si mal, 4 coups, 50%. Ah bah il a parmi les meilleurs smash du jeu. En plus, qui sont actifs longtemps, qui ont peu d'enlag, un neutral air qui est digne de ce délink, il a un back air, une chaussure monstrueuse quand elle t'arrive dans le visage, tu t'envoles à 300 km, c'est pas pour rien que c'est un top tier, c'est extrêmement fort. Et le smash autofill. Et le smash autofill, ah oui bien sûr, l'aspirateur Dyson sur le smash. Ah ça y est, Watson qui a compris, il fallait pas laisser respirer, ça y est, il commence à être beaucoup plus agressif. Et ouais, OG qui connaît l'agressivité. Oh là là, bien sûr, heureusement que ce neutral. Oh là là, il donne smash directement et on a position d'edgeguard. Est-ce qu'on va aller chercher avec un down smash? Oui, mais heureusement, ça ne touchera pas. Le backer tenté, bien vu. Il l'a voulu, mais l'ADA qui était pas mauvaise du côté d'Amphinobi. On revient tranquillement sur le stage. On va essayer avec une normale get-up, c'est bon, on reviendra. Et le neutral air qui viendra réaliser ce neutral. C'est essayer de catch le down B. Ok. Non, le fer n'est pas trouvé. Voilà, donc bien, ça c'est bien vu. Ça va tenter de prendre la stock en edgeguard ? Non. Non, les plateformes qui sont un peu embêtantes hein, pour Amphinobi d'aller chercher son vis-à-vis. Hop, on revient avec un CB. Attention parce que ça c'est punissable. Hein. C'est un down smash de Wolf punissable. Donc attention à pas trop en abuser. Et malheureusement, le down met en désavantage, c'est une très mauvaise option. C'est un smash qui tue de l'autre côté du stage. Ouais. Ah non, mais c'est puissant. Hein. Ah ouais, c'est vraiment incroyable. Toujours essayer le up B sur la Rico de Wolf. Pas encore fait, mais il y a moyen sur la game. J'ai l'impression que c'est tenté beaucoup trop tôt en fait, sur le up B pour catch OG.
J'ai qui revient avec une petite air dodge, on fait une roll, on se fait pas heureusement punir là-dessus. On tente à Bakker à nouveau ce pari. Ouais, le pari qui est assez simple hein, sur le neutral air de Amphinobi quand on connaît. C'est tellement bourré les nerfs d'Amphinobi sur le bouclier que en fait ça se voit venir à 10 minutes. Oh là là! C'était quoi cette espèce de up B chelou? Upstro et ça tue. Ah bah l'upstro ouais, en plus tandis qu'il y a pas une base haute à très haute, ça va, mais c'est pas non plus la folie. Et pour le moment deux stocks, mais bon on est à 84%. Et si on retente à Dunby comme tout à l'heure, un down smash pourrait faire très mal. Oh là le backer, bah oui pas besoin, un petit backer ça suffit. Le pied bouche. Ouf, down smash qui partit. Ça laisse presser un autre match, non. Non, pas maintenant, ce sera pas nécessaire. En tout cas, 56%. Ça, c'était bien vu. Ça, le B+, le smash, c'était très bien vu. Il est passé, ça y est. Le side B psyché dans le neutral, comme ça. Ça part dans le neutral. Oh, le fer s'est pas passé. Bien vu. Ça tue pas. Non, la bonne DI du côté d'OG. On arrive à revenir sur le stage au niveau du neutral. Une touch attaque plus. Attention, il y a peut-être un backer qui va aller chercher du côté d'OG. Oh, non, mais c'est le backer d'Amphinobi qui viendra prendre ce kill. Incroyable. Et égal stock. Mais ça peut partir très vite. 64%, c'est. On peut tuer Amphinobi. Un down smash et c'est fini. Ah, quand même la stock, hein, attention, hein, parce que on a notre Amphinobi qui arrive à se replacer. Voilà un bon grab sur le shield, hein, parce que OG aime beaucoup shield grab en face du joueur. Donc attention quand même à ça, un nouveau grab. Initié peut-être un backer à nouveau. Oh là, non, le nerf qui viendra contester. Il ne faut surtout pas lâcher davantage pour Amphinobi, sinon c'est fini. Aïe aïe aïe, c'est très mal parti en tout cas. Il va essayer. Ouh, il avait ri de le saut, mais un peu trop tard malheureusement. Ouh, il catch. Mais. Ça sert à rien, ça coule sur eux malheureusement. Oula, le smash. Ah là là, et le down smash, non, et ça prendra la stock. Et un partout dans ce match. Très beau comeback et très belle deuxième game de la part de notre Amphinobi. C'est vrai que, ouais, il y a 1-1, incroyable. On revient de loin. C'est vrai que, ouais, sur cette game, Watson a joué beaucoup plus agressif et ça a payé. Mm. Il n'a pas laissé respirer Wolf, il n'a pas laissé reset le neutral ni rien. Nous fait plaisir là sur cette game, autant la première il s'était fait complètement anéantir là. On s'est bien repris, on s'est bien adapté. Et peut-être que là OG va aller chercher un stage plus petit. Et OG qui reste sur Wolf. Ouais, il va rester sur Wolf, il pense avoir la possibilité de le battre. De toute façon il a bien vu que out of shield il ne pouvait absolument rien faire. Donc du coup il va partir là-dessus. Et du coup il est parti sur PS2, la meilleure map d'Amphinobi. Est-ce que c'est une bonne map pour Wolf peut-être après. C'est une bonne map pour Wolf, mais ça m'étonne quand même. Il y a des meilleurs peut-être Tu prends BF, c'est pas trop dégueu pour BF ou une map un petit. En fait, je pensais qu'il allait prendre une map un petit peu plus petite pour justement embêter Amphinobi sur sa manière de se mettre à l'abri. Mais écoute, si OG l'a pris, c'est qu'il y a certainement une raison. On verra ça de toute façon dans la game s'il y a une raison. Ouais, le backer à nouveau, hein, on se positionne sur les plateformes et attention. Oh oui, le truc c'est que Amphinobi ça fait dash attack plus up smash sur les plateformes quand on ne tech pas et ça fait extrêmement mal. Mais le backer qui viendra prendre le kill en fait toujours aussitôt. Ouais, le problème voilà, c'est le problème de Watson, c'est qu'il fait beaucoup de short up nair pour tenter de setup quelque chose. Et le truc c'est que OG le voit et fait à chaque fois un backer en réponse ou un nair. Et c'est un petit peu dommage parce qu'il se fait counter à chaque fois là-dessus, c'est avec ça qu'il perd ses stocks. Ouais, passer de mix-up. Mais en même temps, je sais pas s'il y a vraiment d'autres choses pour partir sur quelque chose avec Amphinobi que le. Il y a la dash attack et le down tilt. Et dans tous les cas, rien n'est safe si tu shield. Alors, le down tilt, ça va. La dash attack, faut être sûr de shield poke et d'avoir fait péter un peu le shield parce que s'il est max, bah effectivement, tu vas te faire avoir. D'accord. Mais sinon, down tilt et dash attack, c'est des très bonnes phases. D'accord, donc ouais, ce short up nair n'est pas forcément la meilleure idée à chaque fois. Quoi. Mais il va très certainement pas dash attack parce que s'il y a un pari, c'est un. Oh là, c'est un. Oula. Et maintenant le up tilt qui viendra prendre le kill, mais ça suffit, c'est beaucoup trop. Et 143%, on a beaucoup de rage et le backer. Le backer qui prend non. Pas la stock. Oh là, Summon DI. Mais c'est. Oui, OG, maître des DI, dis donc. Il n'arrive pas à mourir. Il n'y arrive pas. Voilà, et ça y est, c'est parti. Oh! Ça a tenté le side B. Là, ça prend et avec le neutral air, on va peut-être aller chercher avec un backer à nouveau sur le saut. Est-ce qu'on va anticiper le saut? Oui, on a anticipé le saut. Et c'est le fer qui a été cherché au lieu du backer, c'est un petit peu dommage. À nouveau neutral air. Attention, est-ce qu'on va voir à nouveau? C'est le backer qui va peut-être sortir à nouveau. Oh là, c'est. Oh là, il a Watson qui n'arrive pas à reprendre l'avantage. Exactement. Oh,
Est-ce qu'à 180% on va enfin réussir à avoir un kill? Attention, peut-être encore un backer qui va peut-être initier le down smash à nouveau. Est-ce qu'on va sauter pour aller le chercher? Oh, le fer qui viendra prendre. Bien vu, très bien vu. Enfin ce mix-up est arrivé, on n'avait pas ce mix-up là depuis tout à l'heure. Et c'est bien vu de la part de Watson. OG qui ne s'y attendait pas du tout. Oh, ça tente les douilles là. Ça tente les douilles de la part de Watson. Hop, ça va. Du coup ça a tenté le dragdown père. Bon, et Watson qui garde son adversaire dans les airs, hein. Mais bon, le neutre a l'air qui vient à contester l'avantage, il est horrible ce nerf. Le nerf qui dit tu veux combo, non. Non, t'as pas le droit. Non. Tu prends juste mes fesses sur la tronche et puis t'attends. J'ai dit on reset le neutral d'abord. Oh là, le... c'était un F-tilt ça. C'était un F-tilt. Attention à le backer encore une fois sur le saut, et oui, j'en parlais tout à l'heure. Encore une fois, ça saute, encore une fois, on se fait anticiper avec le backer. C'est dur. C'est très dur. Est-ce qu'il a un défaut, Wolf? Est-ce qu'il a seulement un défaut?